Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec l'homme connais-toi toi-même. Nous avons parlé la dernière fois de la méditation, où elle est située, comment la comprendre et comment la faire. Nous nous sommes dit que l'essentiel pour l'homme aujourd'hui, c'est de se lier à cette source éternelle qui l'habite et qui est l'âme. Et le moyen pour nous relier avec cette source, nous l'avons aussi en nous, c'est notre intellect, c'est notre pensée. Par la pensée, nous pouvons nous lier à cette source et accomplir tout ce qu'il y a prévu pour nous, non seulement pour cette époque, mais pour toute l'éternité. Et voilà l'homme qui s'éveille aujourd'hui dans sa conscience, il apprend petit à petit de communiquer avec l'âme, et quand il apprend à communiquer avec son âme, lui-même, il se sent encore à l'extérieur. Son âme, il ne peut pas l'imaginer en lui, et il peut communiquer seulement à travers les symboles, à travers les images, à travers quelque chose qui lui est extérieur. Et nous nous sommes dit que l'essentiel, ce que l'homme reçoit à travers ce travail, c'est la nourriture. Il reçoit la nourriture mentale et cette nourriture mentale est par la suite mastiquée. La méditation, qui veut dire aller au milieu entre l'âme et la personnalité d'en bas. Et quand il va au milieu, ça veut dire quand il se rend à un certain niveau, où il peut communiquer par la concentration, il reçoit de l'âme une nourriture. Et nous avons comparé ce que l'homme reçoit avec le fait d'ouvrir un robinet. C'est comme s'il ouvrait le robinet qui se trouve en lui, et voilà la nourriture, la boisson, l'aliment commence à couler, la source commence à l'alimenter. Et l'homme peut faire aujourd'hui ce travail à travers la pensée qui a une puissance infinie, seulement nous ne savons pas l'utiliser. Nous avons parlé de la méditation concrète qui est basée sur un objet concret qui peut nous servir de symbole, d'image, qui peut nous servir de robinet. Et à travers ce symbole, à travers cette image que nous ouvrons, qui nous permet de communiquer avec l'âme, nous recevons par la suite tout ce que nous est indispensable. La méditation aujourd'hui est souvent comprise comme un but. L'homme se place un but de méditer, mais il ne sait pas en réalité qu'est-ce qu'il veut faire à travers ce travail et pourquoi méditer. Et ce qu'on fait, dans la plupart des cas, c'est une méditation pour une méditation. C'est la méditation pour la méditation. On ne sait pas le but, on ne sait pas qu'est-ce qui est le but, quel est le moyen. Imaginez que vous devez vous rendre à Québec. Alors, Québec, c'est la destination. Maintenant, pour se rendre à Québec, il faut utiliser un moyen. Alors, le moyen, supposons que c'est un autobus ou une auto. Le Québec, c'est le but et le moyen, c'est l'auto ou l'autobus. Mais ce qui est aujourd'hui dans la méditation, c'est que le but est mêlé avec le moyen. Québec devient autobus qui est impossible ou l'autobus devient le but qui est aussi impossible. Alors ça crée un non-sens et ça peut même mêler les courants en nous, donc la méditation devient nulle. Et il y a des personnes qui méditent des heures et des heures, et certainement qu'ils n'arrivent à rien, même après des années, parce qu'ils ne connaissent pas le but, ils ne connaissent pas le moyen, et comme ils ne savent pas comment faire, quoi faire, alors c'est mieux de ne pas méditer du tout. Donc l'essentiel, c'est de connaître quel est le but, qu'est-ce que nous voulons faire à travers ce travail, qu'est-ce que nous voulons recevoir. Et comme on a dit, si nous voulons vraiment communiquer avec l'âme, si nous voulons recevoir une nourriture d'elle, eh bien, il faut l'apprendre,
il faut la mastiquer, mais par la suite, il faut la digérer, il faut l'absorber, absolument tout ce que le corps physique fait. Et si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes même pas au courant qu'il s'agit d'une nourriture, comment voulez-vous qu'on se nourrisse? Alors là, il s'agit de la méditation concrète qui nous permet d'utiliser un objet, une image, un symbole comme le moyen de communication. Nous n'avons pas parlé d'autres degrés de la méditation, qui est la méditation abstraite. Dans la méditation abstraite, nous ne prenons pas une image concrète que nous connaissons, mais il s'agit de quelque chose qui est complètement abstrait. Nous prenons tout simplement un symbole, un son, par exemple. Il y a des hindous, il y a des orientaux qui méditent sur un seul son, sur une seule syllabe, par exemple OM. C'est OM qui est l'abréviation d'AUM. Je crois que nous avons mentionné au début que notre cinquième race, l'humanité présente en général, possède une clé qui nous a été donnée pour communiquer avec l'esprit. Et cette clé que nous possédons, elle est contenue dans le mot Aum. Et le mot Aum, nous le connaissons même à travers le christianisme, même quelqu'un qui se dit « moi je n'accepte pas Aum parce que moi je suis un catholique », même les catholiques, ils utilisent Aum, seulement il est transformé. Il est transformé et il est présenté pour nous comme Amen. Amen, notre Amen, c'est aussi la clé, la même clé qu'Aum, seulement le mot a été transformé. Et nous l'utilisons pour communiquer avec l'esprit. Et l'abréviation qui est utilisée par les orientaux, qui s'écrit O et M, OM, ce seul mot, ce seul symbole, peut nous servir d'une méditation abstraite. Parce que OM, il a ses vibrations. OM, il a son champ vibratoire à travers lequel nous pouvons capter énormément d'énergie, nous pouvons capter énormément de choses qui nous sont utiles pour toute création. Mais imaginez qu'aux orientaux qui ne croient pas à ces choses, on nous a donné la même clé homme. Pour moi, par exemple, moi je suis une étrangère à la langue française. Quand vous dites « voilà un homme », quand vous dites un homme, homme, bien moi, je ne l'écrirai pas H-O-M-M-E. Mais moi, j'écrirai un homme, O-M, seulement, phonétiquement, comme je l'entends. Supposons que je ne connais pas l'orthographe et je ne sais pas comment ça s'écrit. Alors, homme, c'est la même clé que dans la syllabe Aum. C'est la même chose que l'abréviation de Aum, OM, seulement pour les orientaux. Elle est dans sa source et dans sa présentation véridique, vraie, tandis que pour nous, c'était camouflé. Parce qu'on savait que nous, on n'acceptera pas, qu'on va discuter autour. Et pour nous, bien, pour nous avoir pareil, voilà, le monde est visible, nos guides ont préparé la même syllabe, seulement présenté différemment. Et chaque fois qu'on vous dit « homme », vous possédez cette clé. Seulement pour nous, elle est inconsciente. On a la clé, mais on ne l'utilise pas. Tandis qu'en Orient, ils ont la clé et ils l'utilisent pour communiquer avec l'âme. Dans ce cas, il s'agit d'une méditation qui est plus abstraite, qui n'est pas basée sur une image concrète, mais les énergies passent pareil, seulement elles demandent un peu une autre concentration, un autre genre de travail. Et par la suite, nous pouvons complètement nous mettre dehors de tout signe, de tout symbole. Nous pouvons nous mettre à un niveau cosmique de la méditation où nous pouvons communiquer avec l'âme universelle.
Mais pour l'homme d'aujourd'hui, pour un occidental, c'est un degré trop élevé. Et juste, je le mentionne parce que ça existe, mais nous ne sommes même pas rendus à une méditation ordinaire, à une méditation concrète. L'homme d'aujourd'hui ne sait pas méditer. Même si nous nous disons, oh, j'ai médité aujourd'hui 2 heures. Mais qu'est-ce qu'on a fait en ces 2 heures? Quelqu'un qui va vraiment méditer 2 minutes, bien, il va avoir des inspirations pour toute sa vie. Et toute sa vie va être arrangée, il va vivre des extases parce qu'il a vécu une vraie méditation. C'est une vraie communication avec l'âme. On était nourri, on était comme une voiture où vous avez mis l'essence. Alors imaginez que vous avez mis l'essence pour toute la vie, pour toute l'existence de la voiture. Alors il s'agit de la même chose pour nous. Si c'était une méditation vraie, véridique, valable, vraiment concentrée, nous sommes rechargés d'une telle façon qu'on va vivre dans une paix, dans une harmonie, qu'on va vivre d'une façon complètement nouvelle, seulement parce qu'on a médité vraiment comme il faut une fois. Alors, en réalité, nous ne connaissons pas la méditation et nous ne savons pas l'utiliser parce que nous ne communiquons pas encore avec l'âme. Ce que nous faisons par la pensée, même ceux qui méditent, c'est que nous nous concentrons sur un objet, mais la source de l'âme qui doit couler, nous n'ouvrons pas le robinet et la source ne coule pas. Alors même si nous nous concentrons, c'est une concentration, c'est un bon exercice, mais nous ne savons pas faire en réalité la vraie méditation. Je le dis pas pour nous décourager, mais au contraire pour nous stimuler, pour étudier et pour apprendre mieux faire. Et comme nous nous sommes dit déjà la dernière fois, la méditation, ce n'est pas le degré supérieur de tout notre travail, de toute notre possibilité de communiquer avec l'âme. Ça, c'est juste aller au milieu, la méditation. Mais il y a d'autres degrés où nous allons plus loin que la méditation, et ce degré qui est plus élevé, ce degré suivant, s'appelle la contemplation. Si vous décomposez le mot contemplation, vous allez trouver de nouveau un préfixe con, con, qui veut dire avec, et la racine du mot c'est temple. Temple, qu'il s'agit de notre propre corps, qui est le temple de l'âme. Et voilà, nous nous installons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre temple, et nous allons avec notre temple pour communier avec l'âme. Il ne s'agit plus de la communication, parce que dans la communication, notre intellect est extérieur à l'âme. L'âme, pour nous, est quelque chose à part. L'intellect ne peut pas nous unir à l'âme parce que lui, c'est de soustraire, lui, c'est de séparer. Alors, il fait encore deux avec l'âme. C'est pour ça que nous parlons de la communication. Et dans la communion, il n'y a plus de deux, il n'y a qu'un. Alors, quand nous avons passé par tous les degrés de la méditation, quelquefois, on les a passés déjà dans une vie passée, dans une vie précédente. Alors, quand nous avons traversé tous ces degrés préparatoires, on a parlé d'observation, de la concentration, la méditation, nous nous intériorisons, nous installons en nous un silence absolu. Et c'est dans ce silence parfait que la vraie communion, pas la communication, mais la vraie communion avec l'âme peut se faire. Et d'ailleurs, il faut bien souligner que la condition indispensable de communier avec l'âme, c'est justement d'installer à l'intérieur un silence. Et la pensée d'aujourd'hui, l'intellect humain, il est extrêmement bruyant. Il ne fait que des bruits, et dans ces bruits, dans ce vacarme, aucune ni communication ni communion n'est valable, n'est possible.
Seulement quand à l'intérieur, nous faisons taire toute pensée qui saute, toute pensée qui fait des bruits, parce que l'intellect, il ne sait que ça. Alors, quand nous installons un silence intérieur, c'est dans ce silence que la communion est possible, ça veut dire faire un avec notre âme, qui n'est plus une source extérieure, mais qui devient une source intérieure. Et c'est là qu'on devient créateur, c'est là qu'on devient génie, c'est là qu'on devient tout ce que l'âme est, parce que la communion se fait, on fait un avec elle, et voilà, tout s'accomplit instantanément, immédiatement. Nous recevons ces révélations, nous recevons ces messages. Ce n'est plus la question du temps, c'est la question d'intensité. Dans la méditation, nous utilisons encore le temps. Dans la méditation, ça nous prend du temps et du temps et des heures pour apprendre à communiquer. Comme si, imaginez que vous voulez travailler à la radio ou à la télévision, et pour pouvoir communiquer, ou vous voulez juste arranger votre poste de radio pour capter certaines stations. Alors, ça vous prend du temps de l'arranger pour capter une telle station ou une autre. Vous pouvez rester dans un pays et capter le programme d'un autre pays. Alors, il s'agit encore du temps dans la communication. Mais dans la communion, il n'y a plus de temps, c'est instantané. Ça marche d'après les lois de la pensée et ça devient instantané. Mais la première condition, c'est d'installer le silence dans notre propre temple où nous pouvons par la suite contempler l'âme. Pour la méditation, nous avons parlé que le premier degré, c'est l'observation. C'est d'abord apprendre à observer, car par l'observation, nous apprenons à servir. Mais dans la contemplation, il y a aussi des degrés, et nous les connaissons déjà, ces degrés. Tout le monde dans sa vie a appris un jour à prier. La prière avec la parole, la prière qu'on nous apprend de l'extérieur, chacune des prières que nous connaissons, c'est un moyen, c'est un fil pour communier avec l'âme. Mais la prière est encore extérieure et c'est très rare qu'une prière qui s'exprime par la parole, elle nous guide, elle nous mène directement à l'âme. Elle est un moyen extérieur qui nous amènera à contempler l'âme, mais ça prendra de nouveau du temps. Alors, comme observation, est indispensable comme premier degré pour arriver à la méditation, la prière, elle est indispensable pour arriver à la contemplation. Ça veut dire que la prière nous amène vers un travail intérieur, vers un chemin intérieur. Et vous connaissez peut-être la phrase de Jésus qui disait « Si tu veux vraiment prier Dieu, descends dans ta chambre secrète » et prie-le. Où se trouve cette chambre secrète? Nous en avons parlé. Nous avons dit que dans le cœur, il y a une petite chambre dans le ventricule gauche et dans cette chambre, il y a un petit atome. C'est l'atome permanent et dans cet atome, il y a une petite enregistreuse. Et sur cette enregistreuse, tous les événements, toutes les pensées, tous les sentiments, tout ce qui se passe, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, ça s'enregistre sur cette petite bobine. Et quand c'est enregistré, eh bien, ça reste et l'âme, par la suite, utilise tout ce matériel. Et quand Jésus parlait descendre dans la chambre secrète, il pensait justement du ventricule gauche et de cette petite bobine minuscule, car la communion avec l'âme se fait dans cette petite chambre, à travers cette petite bobine. Et quand la prière est là, la prière surtout intérieure, comme un besoin de communier, eh bien dans ce cas, la connexion se fait, et voilà, la communion avec l'âme est instantanée,
Et c'est là que Jésus pouvait guérir, et c'est là que les saints pouvaient accomplir tout le travail qu'il accomplissait grâce à cette communion avec l'âme qui devient comme une contemplation. Il contemple sa splendeur partout, il la voit partout, et il ne s'agit pas seulement d'avoir 10 minutes, une demi-heure, une heure par jour de contemplation, mais il voit l'expression de l'âme et sa beauté partout et constamment. Et il ne voit par la suite que la beauté, et c'est ce qu'aujourd'hui on dit le côté positif des choses. C'est encore par l'intellect que nous faisons l'effort, mais avec le temps, nous allons tellement vivre ce côté positif que nous allons contempler la beauté de l'âme, parce que la nature que nous voyons, elle est aussi le temple, mais de l'âme universelle, comme notre corps est le temple de notre propre âme. Alors, le degré suivant vers lequel nous mène la prière, c'est la contemplation. Et même dans la prière, nous allons apprendre qu'il y a 3 degrés. Le premier degré de la prière, c'est la prière qui peut se prononcer par la parole. C'est la prière apprise, c'est la prière récitée. Et la plupart des humains connaissent ce degré de la contemplation qui mène vers la contemplation. Ils connaissent une prière apprise, une prière qui peut se dire par la parole. Et le deuxième degré, c'est une prière que nous composons nous-mêmes. Il y a une puissance, évidemment, dans la prière apprise, parce qu'elle était composée pour les humains. Elle était composée pour nous tous. Et quand nous l'utilisons, il y a une certaine force qui coule à travers cette prière. Mais quand nous avons passé par énormément de souffrances, comme on a dit déjà dernièrement, on a dit qu'il y a 2 moyens pour apprendre et pour éveiller la conscience. Le premier moyen, c'est la souffrance, et le deuxième moyen, c'est la joie. Et comme toute l'humanité aime le premier moyen, alors tout le monde apprend par la souffrance. Et quand nous avons suffisamment souffert, et quand nous sommes au bout, nous sommes prêts à composer notre propre prière. Imaginez qu'il y a un grand malheur, ce qu'on dit le malheur. En réalité, il n'y a pas de malheur, il n'y a que des bénédictions. Mais nous les voyons encore comme un malheur. Alors, supposez qu'il y a quelque chose de très grave qui nous est arrivé et que 2 semaines, 3 semaines, 10 semaines passent et nous ne pouvons pas nous débarrasser de la pensée très aiguë qui rend présent constamment ce qui est arrivé. Et que voilà, finalement, vous vous décidez de prendre une marche, de quitter un peu cette pensée qui nous rend malheureux, de se libérer un peu de ces images qui nous poursuivent, et vous sortez de la maison. Et comme par hasard, sur votre route est placée une église. Et vous entrez à l'église et vous commencez à prier les prières que vous connaissez, mais ça ne marche pas. Vous commencez Notre Père, vous commencez quelque chose d'autre que vous connaissez, mais au milieu de la prière, vos pensées vous bombardent tellement que votre malheur revient et vous oubliez la prière. Et tout d'un coup, vous écoutez le silence de l'église. Et vous regardez pour que personne ne s'aperçoive que vous voulez prier. Et vous restez à genoux. Et dans votre tête, il y a comme un petit marteau qui continue à frapper, à frapper, à frapper, qui vous empêche de prier. Et tout d'un coup, vous profitez de ce silence, comme si vous n'entendez absolument rien. Et même en vous-même s'installe un silence. Et dans ce silence qui s'est installé en vous, vous trouvez votre propre prière. Vous ne pouvez même pas l'écrire parce que vous composez les mots à l'improviste. C'est une prière improvisée. Et vous suppliez et vous priez et les anges vous écoutent. Et c'est votre propre prière. Vous composez encore des mots, vous composez encore des phrases et vous priez. Vous faites votre propre prière. Et c'est une création.
vous ne vous rendez pas compte que votre malheur, qui était épouvantable, qui vous rendait les plus malheureux au monde, que votre erreur, votre malheur, vous a rendu créateur. Parce que cette prière que vous composez seule, dans le silence de votre cœur et dans le silence de l'Église, cette prière est votre première création. Et c'est le deuxième degré dans la prière où nous composons nos propres prières. Et si nous regardons l'humanité d'aujourd'hui, elle n'a pas encore assez souffert, parce que déjà dans ce siècle, on a passé par deux guerres mondiales et on se prépare pour la troisième. C'est parce qu'on n'a pas assez souffert, on n'est pas arrivé à composer nos propres prières. Et présentement, l'humanité passe par des souffrances les pires. Elle n'a jamais passé par des souffrances si grandes. Les jeunes comme les adultes, les enfants comme des vieillards, tout le monde, pourquoi? Pour apprendre à prier, pour vouloir se diriger vers l'âme qui, la seule, peut nous pourvoir, peut prévoir, peut voir pour nous et nous donner tout. Et le deuxième degré dans la prière, c'est justement cette prière silencieuse qui ne peut pas s'exprimer par les paroles. Mais dans notre esprit, dans notre pensée, elle est quand même composée de quelques mots, elle est composée de quelques demandes, elle est encore habillée de paroles, mais elle ne peut pas s'extérioriser, elle reste en nous. Alors c'est le deuxième degré de la prière et l'homme d'aujourd'hui se dirige vers ce deuxième degré de la prière où il est le Créateur lui-même. Le Christ nous a laissé notre Père, qui est une prière extraordinaire. Nous possédons d'autres prières qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, les prières d'une puissance inouïe, des prières magiques. Mais l'homme ne les connaît pas, parce qu'il ne les apprécie pas. Alors, comme il ne sait pas apprécier, c'est même pas la peine de lui donner des prières nouvelles. Il y a des prières d'une puissance dont on n'a aucune idée. Mais l'homme ne tient pas à les avoir. L'homme ne veut pas les avoir encore parce qu'il n'est pas prêt pour accomplir des miracles et pour accomplir des merveilles dans le but créatif. Et quand il va encore souffrir de nouveau, c'est pas qu'on lui désire cela, mais il le provoque par tous les moyens, cette souffrance. Alors quand il va arriver au bout où il ne pourra plus, alors c'est là qu'il va créer en lui-même sa propre prière, ses propres prières qui vont devenir le deuxième degré, le deuxième soutien pour qu'il puisse contempler un jour l'âme. Et le troisième degré de la prière, il n'y a pas de parole. La prière n'a plus de parole, c'est une prière vécue. C'est une prière où l'être au complet est à genoux, où l'être au complet est uni, fusionné avec l'âme. C'est la troisième marche, c'est le troisième degré de la prière. Il s'agit d'une communion avec l'âme et dans cette communion, il y a une joie, il y a une extase qui ne peut jamais se transmettre par les paroles. Il y a certains saints qui essayaient d'écrire l'extase, cette joie, mais ils n'ont pas pu au complet mettre dans les paroles la splendeur et la beauté de cette prière vécue qui n'a plus de paroles, qui n'a plus d'expression mentale, car elle est dans chaque cellule, c'est la prière de chaque cellule et c'est ça la vraie contemplation. Cette vraie contemplation, c'est de vivre la joie de l'âme. Et cette joie de l'âme n'est comparable avec absolument rien de tout ce que nous connaissons sur la terre, même les plus grandes joies de l'homme, qui sont très peu durables, qui sont une expression quand même de l'âme, mais notre plus grande joie est très peu en comparant
avec l'extase, qui est une communion, une fusion, mais durable, une communion avec l'âme. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus aucune expression extérieure, elle est seulement intérieure, elle est tellement puissante qu'elle ne peut pas s'exprimer par la parole, qui est d'ailleurs une très grande poésie. La parole peut exprimer une poésie, mais pas la contemplation. Elle ne se traduit pas, elle ne se traduit plus par la parole. Alors voyez, après la méditation, qui est aujourd'hui considérée comme le sommet de tout, après la méditation, il y a d'autres degrés à atteindre, et c'est justement à travers ces trois sortes de prières que l'homme se dirige vers la contemplation. La prière apprise, la prière récitée, nous la connaissons tous, mais elle est comparable avec l'observation. C'est un genre d'observer un peu une règle de l'âme, d'observer un chemin que nos parents ou que la religion nous indique, mais nous ne participons pas encore à quelque chose de merveilleux dans une prière récitée. Nous voulons participer, mais notre conscience n'est pas présente. Tandis que dans la prière intérieure, qui est poussée par nous-mêmes, que nous faisons naître nous-mêmes, ou par une souffrance, ou par une joie, mais la plupart des humains, c'est par la souffrance, alors dans cette prière intérieure, qui est peut-être encore couverte des paroles, mais qui ne s'extériorise plus, parce qu'elle fait naître des larmes de joie. Ce sont des larmes de joie qui sont les signes extérieurs de cette prière intérieure qui n'a plus de paroles. Parce qu'elle est notre propre enfant, elle est notre création intérieure, elle est le premier-né. Nous l'avons fait naître, cette prière en nous. Et c'est là que nous entrons dans la vraie communion avec l'âme qui va nous guider, qui va nous mener vers la contemplation où nous serons vraiment dans notre propre temple où la communion avec l'âme devient identique, stable, merveilleuse et nous vivons une extase qui ne se décrit pas par les paroles. Et même la contemplation qui est une joie ininterrompue, qui est une paix de l'âme qui s'installe en nous, même cette contemplation, ce n'est pas encore le dernier degré. Alors, imaginez qu'après la méditation, il y a tous ces degrés pour atteindre la contemplation, mais même l'extase, même la contemplation, ce n'est pas encore le dernier degré. Il existe d'autres degrés, et ce degré supérieur, où nous nous lions à l'esprit, où nous nous lions à l'âme universelle, où nous nous lions à la conscience universelle, c'est l'identification. On s'identifie à l'esprit universel, on devient comme lui, on devient omniscient, omniprésent, omnipotent, et toutes les puissances divines s'expriment à travers nous. Le cas des grands maîtres, c'est justement cette identification. Jésus, par exemple, il s'est identifié au Fils divin. Ça veut dire vivre avec et ne plus jamais laisser sortir, partir celui à qui on s'est identifié. Alors Jésus qui est devenu Christ, Jésus qui est devenu le Fils de Dieu, il s'est identifié au Fils et c'est pour ça qu'il est devenu. Parce que s'identifier, c'est de prendre en nous et de ne plus jamais lâcher, de ne plus jamais laisser sortir, partir, c'est de continuer à vivre avec. Alors il a laissé le principe d'amour, le principe universel d'amour, de le pénétrer. Et il l'a gardé pour toujours. Il s'est identifié à ce principe d'amour, à ce principe cosmique, au principe christique, et il l'a gardé
Et c'est ça l'identification. Alors, nous nous préparons présentement pour la deuxième venue du Christ. On nous a parlé beaucoup sur la deuxième venue du Christ et nous croyons qu'il s'agit de quelque chose de l'extérieur, qu'il y aura un événement extérieur où le Christ va venir de nouveau. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il s'agit de la deuxième venue, mais qui va être seulement intérieure. Il n'y aura plus de Christ extérieur. On pourra avoir des signes extérieurement, on pourra avoir des manifestations extérieurement, mais en réalité, la deuxième venue du Christ, c'est un événement intérieur. Et tout ce qu'on s'est dit sur observation, sur la concentration, sur la méditation, sur la contemplation et sur l'identification, c'est justement les degrés pour se préparer à la deuxième venue du Christ. Car l'événement le plus extraordinaire depuis des millénaires et des millénaires qui va se passer pour nous aujourd'hui, présentement, dans cette vie, c'est la deuxième venue du Christ, c'est de le recevoir dedans, parce que lui, c'est l'âme universelle. Et nous, nous avons parlé comment communiquer, comment se lier, comment se fusionner, comment s'unir à notre propre âme, parce que quand nous arrivons à le faire avec notre propre âme, c'est que nous sommes prêts à recevoir cette âme universelle qui est le Christ, ce principe d'amour universel christique. Alors, pourquoi toute cette préparation? Eh bien, c'est pour le recevoir en nous et pour lui préparer des conditions favorables. Alors, voyez, on peut se dire, eh bien, moi, la méditation, ça ne m'intéresse pas. Je peux observer comme ça le monde, je peux regarder ce qui se passe, mais pas plus. Le plus, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, personne ne nous obligera. Personne au monde ne peut nous obliger. Mais quand on sait que la deuxième venue du Christ, c'est une réalité, quand on sait que c'est tout prêt, quand on sait que malgré tout, ça va venir, eh bien, ça serait un peu plus méritoire si nous nous préparons, si nous sommes conscients de ce fait et si nous faisons tout pour l'installer en nous, pour le garder en nous. Alors, pourquoi nous parlons de toutes ces choses? C'est justement pour se préparer, c'est pour préparer notre temple à recevoir ce prince divin, son fils, qui est le Christ. Parce que nous, nous sommes de la même nature, nous possédons les mêmes germes du Fils divin, seulement ce flot d'amour, ce flot christique va faire grandir, va faire pousser, va faire croître notre propre enfant qui est de la même nature que le Christ, ça veut dire le Christ intérieur. Alors, voyez, la méditation, la contemplation, l'observation, la concentration et tous ces degrés dont on a parlé, c'est pas parce que c'est une matière qui plaît peut-être à certains philosophes ou qui plaît à certains ésotéristes. Il s'agit vraiment d'une préparation extrêmement réelle qui nous permettra de se préparer à cette deuxième venue du Christ. Ce qu'il y aura peut-être à mentionner, c'est souvent on utilise le mot mantra. Surtout quand on veut se préparer pour une méditation, on utilise souvent le mot mantra et on se demande bien qu'est-ce que c'est que le mantra, comment l'utiliser, est-ce que tout le monde a besoin des mantras, etc., etc. Alors, le mantra, c'est un mot qui a le sens double, le sens de deux côtés. Excusez-moi, je vais juste chercher mon illustration. Voilà. Le mantra, c'est un verset des Védas. C'est un mot hindou. Et les Védas, ce sont les écritures saintes
Les écritures saintes de l'Inde. Et un mantra, c'est un verset de Veda. C'est comme si nous, on prenait un petit verset de la Bible. C'est absolument la même chose, seulement les orientaux utilisent ces versets pour arriver à une méditation, à une concentration et à la communion avec l'âme. Tandis que les occidentaux ne le font pas. Les orientaux savent comment le faire et les occidentaux, ils possèdent les mantras, mais ils ne les utilisent pas. N'importe quelle phrase de la Bible, c'est un mantra. Parce que c'est un verset des Écritures saintes, mais nous ne savons pas les utiliser. Alors, quelle est la signification de ce mot mantra? Ça veut dire de ce moyen pour se lier à l'âme. Il y a deux sortes de significations. La première, c'est extérieur ou exotérique. Exotérique, ça veut dire extérieur. Alors, c'est tout simplement la faculté, exotériquement mantra, c'est une faculté qui conduit à la perception et ou à la pensée. Alors, imaginez que l'homme d'aujourd'hui ne sait pas vraiment penser. Alors, pour le canaliser à penser, il prend le mantra comme un fil qui le conduit à une bonne pensée, qui le conduit à une bonne concentration et qui lui sert par la suite de lien avec d'autres choses. Ça, c'est extérieurement, exotériquement. Mais intérieurement, ésotériquement, le mantra, c'est un mot qui prend la forme où les syllabes rythmiques produisent la magie divine. Alors là, ça nous échappe complètement. Qu'est-ce que ça veut dire la magie divine et comment un mot peut produire la magie divine? Eh bien, peut-être un jour, nous parlerons de la magie. Nous parlerons qu'est-ce que c'est la magie et comment l'âme travaille dans la matière. Alors, il existe en nous des forces. Nous allons parler bientôt des chakras. Nous allons parler bientôt des centres énergétiques qui existent en nous et à travers lesquels l'énergie de l'âme est diffusée. Mais nous ne savons pas utiliser ces centres énergétiques et nous ne savons pas quoi faire avec. Alors, dans la gorge, il existe un centre qui est appelé le larynx ou le chakra laryngé. Et ce centre, le larynx, qui est dans la gorge, le chakra laryngé, il diffuse, il utilise une énergie qui nous permet de créer la parole. Mais la parole que nous utilisons, en réalité, elle n'est pas créée par nous. Elle était déjà créée, nous la répétons, nous l'utilisons de nouveau. Mais dans les Écritures saintes, il existe des mots qui étaient créés spécialement pour accomplir un travail et quand nous allons apprendre à utiliser ces mots, en prononçant seulement un mot, une parole, nous serons capables d'accomplir des miracles. Tout simplement, nous allons faire la même chose que Jésus faisait. Et d'ailleurs, il l'a dit, que vous ferez des œuvres même plus grandes que moi. Alors voyez, lui, par une parole, il pouvait ressusciter. Par une parole, il pouvait anéantir une maladie. Par une parole, il pouvait guérir un aveugle. Il pouvait faire ce que nous nommons encore aujourd'hui des miracles. Mais pour lui, ce n'était pas des miracles parce qu'il connaissait ces choses. Il connaissait les causes, il connaissait les conséquences. Quand nous connaissons quelque chose, ce n'est plus un miracle. Pour un enfant que vous avez chez vous, qui a 3-4 ans, cet enfant, quand il vous demande « Papa ou maman, comment l'arbre pousse ?» Et là, vous lui décrivez toute une histoire, comment l'arbre pousse. Qu'il y a une petite semence qui est absolument incomparable avec l'arbre. Vous prenez un petit gland ou une petite semence quelconque, et si vous la comparez avec le même arbre qu'il l'a donné, ben, dans la petite tête d'un enfant, ça n'entre pas, c'est un miracle.
Et vous placez cette petite semence dans le sol. Et dans le sol, cette petite semence commence à s'imbiber des forces et elle éclate. Et puis un jour, cette semence donne un arbre. Alors pour un enfant, c'est un miracle. Il faut que l'enfant pratique lui-même, qu'il place lui-même la semence dans le sol et qu'il observe comment la semence va pousser. Et quand la semence va donner un arbre, eh bien, ça va être clair pour lui. Le miracle va devenir un fait naturel. Alors, des faits naturels dont nous ne connaissons pas les origines et les causes, ni les conséquences, pour les humains, ce sont des miracles. Mais pour quelqu'un qui connaît les causes et qui connaît les conséquences d'une chose, d'un objet, d'une affaire, d'une semence, de quoi que ce soit, eh bien, ce n'est plus un miracle, c'est un fait naturel. Alors, qu'est-ce qui se produisait à l'époque de Jésus, avec tout ce qu'il possédait? C'est que lui, qui était peut-être un des plus grands clairvoyants au monde, qui voyait des causes, quand on lui demandait, ses disciples lui demandent, « Seigneur, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est ses parents ou lui-même qui a péché ?» Et Jésus répond, « Ni ses parents, ni lui, il est né comme ça pour la gloire de Dieu. » Bien, ça veut dire qu'il voyait les causes karmiques, qu'il pouvait voir dans les vies passées pourquoi cet aveugle est né comme ça. Et il le dit instantanément, il n'a même pas besoin de faire une étude, parce qu'il voyait immédiatement dans l'éther cosmique les causes, il voyait ses vies passées et il savait que ni lui, ni ses parents, c'est pas à cause de ses péchés qu'il est né comme ça, mais il est né pour que Jésus accomplisse un fait naturel sur lui, ou ce que les humains disent un miracle. Pourquoi? Eh bien, pour glorifier Dieu, pour glorifier toute cette puissance divine qui passait par Jésus. Alors, à travers tout ce qu'il accomplissait, quand il utilisait surtout la parole, eh bien, c'est là que cette parole était un mantra parce qu'elle produisait la magie divine. La parole devenait un conducteur de l'énergie de l'âme et l'âme, elle peut faire n'importe quel miracle, elle peut faire n'importe quelle magie, mais seulement blanche, ça veut dire bénéfique, positive. Et voilà, c'était ça le miracle. Alors, le mantra, c'est une parole qui peut devenir un conducteur de l'énergie de l'âme. Mais qu'est-ce qu'il se produit aujourd'hui avec les gens qui n'ont aucune idée de ces choses? Ce qui se produit, c'est qu'on leur donne un mantra qui est comme une clé. Et on leur offre la clé. Et comme ils ne connaissent pas la clé, et comme ils ne connaissent pas les portes, et comme ils ne savent pas comment utiliser la clé, eh bien, ils ouvrent quelquefois les portes, ils ouvrent quelquefois ce qu'il ne faut pas, et que voilà, le flot est déclenché et l'inondation peut se faire, et n'importe quoi peut se faire parce que la clé n'était pas utilisée et on ne savait pas comment et quoi faire. À travers tout cet apprentissage qui se fait souvent avec les personnes qui ne sont pas qualifiées, la personne donne un mantra. Supposez un instructeur qui donne un mantra et qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un mantra. Il donne une clé et que voilà, avec cette clé, on peut ouvrir certaines portes et on peut déclencher certaines énergies. Il s'agit surtout des énergies des chakras. Mais entre les chakras, nous allons voir bientôt, il y a des membranes très précises. Il y a des tissus extrêmement fins. Et quand l'énergie est déclenchée, cette énergie peut détruire, peut faire dissoudre une membrane
ce qui devient extrêmement dangereux, ce qui est irréparable par la suite. Et on n'apprend pas aux méditants comment ramener à la place du départ, comment ramener à bon état tout ce qui a été déclenché. Alors, à cause de la mauvaise utilisation des clés, à cause qu'on ne sait pas comment diriger ce flot merveilleux d'énergie, voilà, tout est après raté, la personne devient déséquilibrée, elle ne peut plus non seulement méditer, mais elle n'est plus capable de faire rien du tout. C'est parce qu'on se lance avec n'importe qui, n'importe comment, qui n'est pas préparé dans ces matières et qui peut déclencher des choses en nous. Mais s'il ne s'est pas réparé, s'il ne s'est pas ramené à l'état normal, eh bien, ce n'était pas le moment de commencer ou ce n'était pas la personne avec laquelle on peut faire ce genre d'expérience. Donc, le mantra, c'est quelque chose de très réel, c'est quelque chose de magnifique, mais il faut tout simplement savoir comment l'utiliser, comment manipuler avec ces énergies extrêmement précieuses qui peuvent déclencher beaucoup de choses, mais comment harmoniser par la suite, comment mettre tout en ordre, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que pour mettre en désordre, c'est très facile, c'est juste de jeter, de mettre n'importe comment et tout est en désordre. Mais ce qui est le plus important, c'est comment mettre de l'ordre par la suite et comment tout harmoniser en nous s'il y a quelque chose qui était mal utilisé ou débalancé. Et aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent, surtout avec toutes ces matières où il s'agit des mantras, où il s'agit des clés, où il s'agit des initiations, parce que les personnes ne connaissent pas toutes ces matières et on ne sait pas comment manipuler, comment utiliser, on ne sait pas quoi faire. Alors, ça peut devenir même maléfique, nuisible, et les chakras ne fonctionnent plus bien, les membranes sont déchirées, et que voilà, après, tout est mis sur le dos de la méditation, tout est mis sur le dos de l'ésotérisme, tandis qu'en réalité, c'est ni la méditation, ni le mantra, ni l'ésotérisme ne sont pas coupables, mais c'est les personnes qui sont ignorantes et qui prennent une responsabilité sur eux sans se rendre compte qu'il s'agit de quelque chose de très important, de quelque chose même de très grave. Alors, pour ceux qui veulent apprendre, c'est très important de savoir avec qui se diriger, à quel moment, et être extrêmement prudent dans toutes ces matières, parce que quand on déclenche ces choses, tout va bien. Mais quand il faut les ramener de nouveau à l'ordre, alors là, c'est beaucoup plus dangereux. Il y avait une enquête qui était faite aux États-Unis, et à travers cette enquête, justement, on donnait des exemples vivants, des exemples concrets, où les personnes se sont lancées dans toutes sortes d'expériences, sans préméditer, sans se préparer, avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Et puis les résultats sont néfastes, les résultats sont irréparables. La meilleure façon d'aller très lentement, d'aller très graduellement, c'est d'écouter notre propre plexus solaire, notre propre ressentiment, ce que vous dites « feeling ». Alors, ce feeling nous dit le plus véridiquement quoi faire et comment faire. N'écoutez pas trop toutes sortes d'amis, toutes sortes d'êtres à côté, parce que ce qui est valable pour les autres, ce n'est pas toujours valable pour nous. Et le plexus solaire qui nous dit, qui nous transmet la voix de l'âme par l'intuition, il ne nous trompe jamais. C'est comme si, imaginez que vous avez faim. Et que ça ne fait pas longtemps qu'on vous a vu manger, mais vous avez faim. Et tout le monde va vous dire, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas avoir faim, tu n'as pas faim. Mais c'est vous qui avez raison, parce que vous ressentez que vous avez faim. Ou c'est la même chose pour la soif. La terre entière peut vous dire que vous n'avez pas soif. Mais si vous sentez la soif, eh bien c'est vous qui avez raison. Alors c'est pour ça
qu'il ne faut pas trop écouter tout ce qui vient de l'extérieur dans ces choses, mais écouter notre propre plexus solaire qui, par la voix de l'âme, nous dit avec une exactitude absolue comment faire et quoi faire et quand et avec qui et tout au complet. Alors, s'écouter d'abord nous-mêmes et puis après se diriger vers l'extérieur, bien sûr, parce qu'il y a certaines choses à apprendre à l'extérieur, mais c'est surtout de nous voir d'abord nous-mêmes, comment nous nous sentons, si nous nous sentons bien avec une matière ou si ça nous repousse, ou s'il y a quelque chose qui nous dérange. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, ce n'est pas le moment de continuer, il faut arrêter. Le temps viendra d'ici 1 an, 2 ans, 20 ans, où ça sera le moment de s'intéresser ou de faire ces choses. Mais si nous nous sentons mal, il faut arrêter immédiatement et de ne pas le faire. Ce sont des choses merveilleuses, des choses belles, mais il faut être bien prudent. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine.